Il est 19h et tu retrouves ton stream quotidien de The Big Gamowski. Aujourd'hui du shmup. Donc je ne cache plus les suspens en démarrage. Puisque je vous rappelle quand même, pour les gens qui prennent en cours, et vu le nombre d'épisodes qui ont déjà été publiés sur cette si courte période de quelques mois, je rappelle qu'en fait ma mission de base concernant les shmups, c'est d'essayer de tous les choper et vous les faire voir. Alors ça semble complètement anodin comme ça, puis après qu'on s'amuse à plonger dans les entrailles des archives, on se rend compte qu'en fait, en 2018, on en est quand même à plus de 1400 shmups référencés, et que le challenge, croyez-moi, est assez relevé, parce que le démarrage, c'est pas un problème, on trouve rapidement plein de choses, mais arrive un stade où on commence à chercher des trucs très précis qu'on ne trouve désespérément pas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas puisqu'on va continuer. Si vous avez suivi les streams précédents, il y avait un stream où j'étais une tomate dans un shmup, tout mignonne. Et le stream qui a été fait juste avant, c'était un shoot girly à fond. Et bien aujourd'hui, on va apparemment réunir un petit peu les deux. Puisque si vous avez regardé le stream de Captain Tomaday, où on était une tomate qui se bat avec ses petits poings, vous allez retrouver une partie de ce gameplay. Et si vous avez regardé le stream de Silver Millennium, si je ne me trompe pas, ou Twin Action plutôt, voilà, de Twin Action, en fait, on était des petites filles qui se battaient dans un univers tout kawaii. Donc, baston à la tomate, univers de petites filles, qu'est-ce que ça va nous faire? Ça va nous faire Twin Bee Yahoo. C'est un soft qui a été très très peu exporté. Et on va regarder tout de suite la tronche qu'il a. Bim bam boum, activation. Est-ce que j'aurai droit à mon petit fail de démarrage? Ça fait un moment que je n'ai pas eu entre nous comme ça. Non mais juste parce que je demande. Ouais, je peux. En régie, on me confirme, c'est fait. J'ai failé. Pour de vrai. Donc ça veut dire qu'il faut que je meuble encore. Ok, qu'est-ce que. Il faudrait que je trouve un truc original cette fois-ci parce que je pense qu'ils en ont tous marre. En plus, on entend le bruit, quoi. On entend le bruit. Moi, j'ai l'image. Je peux faire un stream radiophonique éventuellement, non? Non, ça ne se fait pas. Ok, en braille? Non, non plus. Bon, ben, je relance. Twin Bee Yahoo! Deuxième, clap. J'ose pas lancer le jeu, en fait. J'ai peur. Non, j'ai trop peur. Je crois que je vais arrêter ce stream ici. Forfait, forfait. Je peux pas mieux dire quoi. Alors, Twin Bee Yahoo. Apparemment, il y a un gameplay qui m'a l'air. J'ai pas encore lancé vraiment le jeu, j'ai juste regardé la démo. Il y a un gameplay qui m'a l'air un petit peu avancé. Il va falloir essayer de comprendre. Si vous lisez le japonais, vous avez un avantage que je n'aurais pas. 10e anniversaire de Twin Bee. Oui, puis il y en a eu un original que je n'ai pas encore trouvé, mais que je me ferai un plaisir de vous choper dès que possible. Donc, petit vaisseau kawaii qui envoie de la purée, peut-être quand c'est gardé appuyé sur A, je sais pas. Qui envoie de la purée quand c'est appuyé sur B, je ne sais pas. Qui envoie de la purée quand c'est appuyé sur C, je ne sais pas. On a vu les navets de Captain Tomaday, je ne sais pas si vous avez fait gaffe. Et Kiki, et qui, et Kiki. Qui fait quoi? Il s'auto-détruit avec ses petits poings. Bon, il me faudra un interprète. Je ne vois plus que ça, hein, les amis. Je n'ai pas tout compris. Donc si je joue comme une burne, c'est pas que le jeu est mauvais, c'est pas que je suis mauvais. C'est que nous avons l'incompréhension de ces frontières dressées entre nous par des millénaires de séparation, bien que l'amour à la fin nous réunisse tous ensemble. Je ne comprends plus rien avec tes cloches et les canards en plastique. Qu'est-ce qu'on veut? Au secours! Pourquoi j'ai dit que j'allais faire le stream de ce jeu? Ce jour-là, j'aurais mieux fait de insérer une solution miraculeuse improbable ici. Non, mais un shmup en général, quand il faut un mode d'emploi pour envisager d'y jouer, c'est qu'il n'est pas très bien fait. Et oui. Nous sommes là pour l'essentiel. Alors, c'est choupi, c'est kawaii, c'est girly. Pourquoi ça ne serait pas simple? Feu.
Je sens que ça va être dramatique ce stream, j'ai une très mauvaise appréhension. Practice, oui, je veux bien. C'est pas souvent, mais il y a des fois où. Oui, c'est moi, princesse Lucette. J'aime le vin et les paupiettes. Alors, c'est. Oh, il m'explique, c'est gentil. Ben, c'est comme Captain Tomade qui se bat avec ses petits. Ah, oh, j'ai sauté le. J'ai rien compris ce que tu me disais, mais c'est pas grave. Oui, il faut pas shooter dans les bonus. C'est comme Captain Tomade. Donc c'est des gens qui ont fait Captain Tomade qui ont fait ce titre, c'est obligé. Il y a beaucoup trop de similarités. Regardez-moi ces navets, c'est exactement les mêmes. C'est pas des navets, ça se trouve, c'est du wasabi, frais. Je sais pas, je n'ai jamais vu du frais. Je vais peut-être mourir sans avoir vu du wasabi frais. Oui, j'arrive à le prononcer à la française aussi. Un de mes grands talents. Je ne parle pas japonais, je n'ai pas d'accent japonais. Qu'est-ce qu'il peut y avoir trop de problèmes. Vraiment, notre jeu. Je score, je passe, machin, mais je pense pas que je sois très optimal hein, dans la manière de scorer. Pour l'instant, la seule chose gratifiante qui peut m'arriver, c'est de ne pas être encore réduit en bouillie malgré ses ennemis acharnés et Ryu, on va l'appeler Ryu, hein, qui arrive et me dit « Tu vas avoir un gros problème, là, on t'envoie un enragé !» Ah, effectivement, il y avait du rayon, mais... Non, non, pas deux fois. Ah, j'ai pas un tir concentré, moi. Yes. C'est ça, casse-toi, pauvre lâche. Même pas peur, mais est-ce que je vais te mettre dans ta teuté? C'est une sèche? Ou c'est juste les réacteurs parce que ça fait une pseudo-perspective? Je comprends pas. On va dire c'est... Moi, mon idée de la sèche était pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les amanches. Alors, je vise tout, sauf ce qu'il faut, apparemment. Est-ce que j'aurais pas un troisième bouton? Non. J'essaye. Hein. Je pense que c'est un des shoots typiques qu'on a dans la culture japonaise et qui ne peut pas fonctionner ailleurs. On a toutes ces choses très amusantes et on est en mode foire du trône, c'est quasiment ça. Faut se rappeler quand même qu'un shmup à la base, ça n'est rien d'autre qu'un jeu de tir à la carabine qu'on trouvait dans le fait foraine et qui a été modernisé pour prendre moins de place. Demander moins de surveillance, demander moins d'entretien, bref, tout ce que la société adore. Faire plus avec moins cher. Il est sympa parce qu'il fait vraiment exprès de viser à côté de moi. Là, s'il voulait m'allumer, il m'aurait déjà démoli depuis longtemps. Alors, c'est très joli. C'est très praticable. Maintenant, je sais pas si pour scorer, il faudrait quand même pas avoir une version qu'on comprend. Et en fait, il est plus souple que Captain Tomade. Qui va être de la même équipe, hein. Je pense pas dire de conneries, parce que c'est... Il y a des similarités qui sont beaucoup trop prononcées pour être anodines. Je me fais attaquer par des grappes, je sonne les cloches, il y a des mandarines qui vont bientôt me sauter à la gueule pour me vider de mon sang, et oui, les fameuses mandarines vampires. Alors, je dois vous avouer, au backstage, que j'ai posé le pad sur mes genoux. Et je joue des coups des doigts, en fait, sur les tirs, tranquille. En pianotant tantôt l'un, tantôt l'autre. J'essaie d'inventer des solutions où il n'y a pas de problème du tout. Et oui. Ce bordel. Il est bien mon équipier. Ah le petit cochon. Bah, on retrouve. Sérieux, c'est les mêmes. C'est les mêmes qu'on programmait ça, c'est obligé. À part qu'ils étaient plus énervés. Mais reviens petit cochon. On va se faire un mouchi mouchi porc après. Ça
Alors, un petit redit de loupe un peu, histoire d'amortir les graphes. Alors, je pense à récupérer des bonus de temps en temps, moi ce serait pas mal. Alors, les trucs au sol, c'est un peu zibé. Bon bah ben que dalle hein. Ça s'appelle un échec. J'aurais bien un mégatire nucléaire de la mort qui pue avec des pulsations cryoniques à l'intérieur et qui se modulerait sur la fréquence psychique de l'ennemi pour être facile. Vous savez quoi, je vais le valider. Parce que je crois que Captain Tomades, c'est ce qui lui était arrivé, ça l'est validé, faudra que je regarde moi-même le streamer nouveau. Et il y a du boulot quoi, c'est quand même bien foutu. Alors ça mériterait de pouvoir comprendre effectivement les subtilités du jeu qui sont expliquées en début. Mais il est chouette quoi. Ouais mais il veut pas mourir madame. Madame, c'est pas moi qui ai commencé, non. Eh non. Pourtant c'est pas faute de lui balancer du tir chargé dans la tronche. Hein. Je vais me laisser mourir sur ce troisième niveau, c'est pas la peine de faire le jeu en entier, vous avez vu qu'il est complètement praticable, qui peut vous passer un petit moment apéro sympa, parce que c'est jouable, hein, même si c'est pas super beau, ça a pris un petit peu des rides. Mais le jeu est tellement sympatoche, si vous aimez ce genre d'ambiance, je peux vous dire qu'une chose, c'est foncer, il y a de quoi s'amuser. En plus, c'est accessible. Donc ce serait dommage de se priver de ce titre. Twinbee Yahoo, tu es totalement validé. Tu ne seras pas un super mégaïque de la mort comme on les aime, mais... Mais être validé, c'est déjà un honneur. Oulala, il scroll. Ça y est. Bon, j'ai rendu. Ah bah j'avais prévenu, hein. Moi je préviens en général, parce qu'il y a des gens qui sont très... J'ai plus le nom technique pour les gens sensibles aux bonus, mais voilà. Oui, bien vrai. Ma cloche, et eh bien non, je ne continue pas, cher ami. Donc, tu es totally validated, Twinbee Yahoo! On se retrouve sur ces jolies notes colorées demain à 19h pour un nouveau stream. Je vais essayer quand même de faire le forcing pour vous placer une petite nouveauté, ça fera pas de mal. Je dois avouer qu'en ce moment, tout le monde ne parle que du dernier God of War que je ne vous streamerai pas parce que bah, je pense qu'il y a déjà assez d'exposition sur ce stream et que c'est pas la peine de faire ce que tout le monde fait déjà 10 000 fois. Mais je vais essayer de vous trouver un autre petit jeu sympatoche. Qui va du coup passer totalement dans l'ombre s'il sort au même moment et n'en vaudra pas forcément moins la peine. Je vous laisse avec ces deux sélections de playlists pour éventuellement continuer vos visionnages et je vous dis à demain. Ciao!